oui, effectivement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, mais c'est tôt, hein, je suis arrivé à 2h30, hein, je suis à 3h30 conduite déjà. Bon, t'es une connerie, quoi. Oh, t'as encore du temps pour rouler. Ouais, surtout que j'ai le client qui m'attend, ça fait depuis 4 heures qu'il m'attend à Bordeaux-là, quoi. Ouais, ouais. Ah oui, d'accord, quand même. T'arrives de loin comme ça? Mais non, ouais, j'arrive juste à la marche primée, c'est tout. Ouais, j'ai fait 3 tours, tu vois, 3 tours, ouais, et le 3e tour, j'ai baisé. D'accord, mais pour ma part, je suis en push. Voilà, là, je sors du pro, là. Je rentre au QRA, mais bon, là, c'est pas gagné, quoi. Là, je m'en vais du côté de Saint-Émilion-Castillon-la-Bataille. Ah oui, en effet, ouais, tu m'étonnes, ouais. Ah, j'entends du monde dans le lointain derrière. Ça pollue moins ses compagnies, hein, tu m'étonnes, hein. Ah, le covoiturage, c'est pas vraiment mon truc. Ah, on y voit quand même, mais bon, n'importe quoi, moi. Ouais. On voit que faut voir les bons côtés. Il fait beau, il fait soleil. On est bien, là. Je suis à 400 mètres de la sortie 8. Là, c'est-à-dire Verdon-Lacanau. Ouais, 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 ben je vois à 10, 28 minutes, et pour le marque 18 minutes. Ah, ouais, d'accord, ok, je vois où tu es, ouais. Effectivement, t'es pas mal loin derrière moi, quand même. Ouais, ouais, ben j'arrive juste à la station Total. Ouais, ben voilà, quoi. Ça a toujours été une plaie, ça sera toujours une plaie. Eh oui, il est temps qu'il la mette en 2x3 voies. Hein. Ouf, même comme ça, même en 3 voies, ça sera quand même la galère. Ouais, je serais eux, je mettrais directement en 2x4 voies. Là, au moins, ça permettrait de respirer un peu, quoi. Ouais, ouais, parce que bon, ça fait quand même une vingtaine d'années, c'est sur Bordeaux, mais ça fait 20 ans que j'entends dire ça, les travaux, mais il n'y a jamais eu rien fait. Et c'est maintenant que c'est encore plus saturé que là, c'est maintenant qu'il faut les travaux, alors c'est n'importe quoi. Ouais, et puis bon, tu verras qu'une fois fait, c'est le pont d'Aquitaine qui sera plus assez large. Il faudra faire 2 voies l'une sur l'autre. Exactement. Il a appelé le pont du désert quand il a monté ce pont d'Aquitaine, le pont du désert. C'est ça, il est gravé. Ouais, il y a des pour et des contre. Hein. Disons que tous ceux qui n'ont rien à voir sur la Bordeaux, mais avec le grand contournement, c'est vrai que ça fait du désert à côté, mais bon, ça soulagerait un peu. Oui, oui, je sais bien, mais bon, après là, tu touches un domaine là, où il y a beaucoup de pognon. Voilà, et tout ce qui est vigne et compagnie, tout ça, alors là, c'est pas évident. Hein. C'est du côté du Médon qui ne veut pas entendre parler et du côté de chez vous non plus, alors comme ça, ouais, c'est réglé. Ah d'accord, là je ne savais pas là.
J'espère au moins que tu as la clim dans ton camion, dans ta cabine. Eh non, elle est tombée en panne juste au bon moment, moi. Ça aussi, c'est bien. De quoi te plains-tu alors si c'est au bon moment? Voilà, j'ai voulu la brancher vendredi parce qu'il faisait un peu de soleil, mais non, le chef, il m'a fait que de la merde encore une fois. Aïe, aïe, aïe. En fait, au niveau du micro, là, ça va, je passe pas trop fort, là, de ton côté, là. Non, non, c'est bon, t'es qu'à bien. Bon, d'accord, ok. Parce que j'ai eu des stations locales qui se plaignaient que ça passait un petit peu fort et tout, ça. Bon, je me suis dit, ah, peut-être faire que je baisse un petit peu le réglage de micro, mais bon, puisque tu me dis que c'est bon, il n'y a pas de souci, je garde comme ça, alors. Ouais, c'est vrai que je t'entends fort, mais ça va, ça marche bien. Ok, donc ça veut dire qu'il faudra que je le baisse un petit peu quand même. Parce qu'il y a normal et puis un peu trop fort. Donc ça va qu'il y a un petit peu de place, là, un petit peu de distance entre toi et moi. Et donc ça veut dire que là, plus près, là, je te passerai écrasé. Hein. Ouais, d'accord. Alors, le volume, tu baisses un peu le volume. Bah, le micro-gain, tu veux dire. Ouais, voilà. Ouais, mais là, j'ai une micro pré-ampli qui est au taquet. Alors, et puis bon, c'est un réglage interne. Je peux pas le régler en roulant, quoi. Ouais, ok. Ouais, c'est un vieux trombone qui date des années 80, un Pan ECM 2010. Ouais, il date des années 80, ce micro, et il marche toujours aussi bien. Et il faut le garder, c'est le meilleur, alors. Oh oui. Et pour le poste, eh bien, c'est un Superstar 3009, là, que j'ai. Le 3009 EL, c'est-à-dire contour chromé et façade noire brillant. Ah ouais, ben moi c'est un Grant, et voilà, c'est un vieux marché, mais il marche bien et je le garde. Ah oui, j'en ai eu un Grant par le passé. Il marchait tellement bien qu'on est venu me le voler dans la voiture. Ah ouais, ça c'est pas cool, ouais, c'est sûr. Ben ouais, mais bon. Qu'est-ce que tu veux y faire? Ouais, ouais, c'est sûr, mais de toute façon maintenant, tout le monde baisse tout le monde. Oh, ça date, on a dû me le voler en 93, ouais, dans ces eaux-là, quoi. Ah ouais, d'accord. Oh, ouais, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Et pour ma part, je suis sur la CB depuis 82. Ah ouais, en effet, oui. Ouais, bon, je suis un jeune débutant, quoi. Ouais, c'est ça, avec un peu de sérieux, c'est quand même... Bon, ok, t'as raison. Surtout que, d'autant plus que... Attends, je passe à vitesse. Voilà, j'ai démarré directement là sur la deuxième, comme ça sera plus simple. Surtout que sur, je sais pas si tu vas sur internet, un truc comme ça. Pour ma part, je fais en sorte de promouvoir, redynamiser la CB. Et je suis sur quelques forums routiers et tout ça. Les ondes du routier, par exemple, fier d'être routier. Je suis sur d'autres forums aussi, Facebook, je suis un peu partout justement à parler de la CB. Ouais, mais ça se perd ça entre les chauffeurs hein, aussi. Bon, nous entre nous, là, mais après, faire la longue, il y en a plus beaucoup qui ont. Alors, ce qui se passe, c'est que les habitudes ont changé, les habitudes des routiers ont changé. Là, j'ai été surpris de t'entendre sur le 19, parce que en général, les chauffeurs restent sur leur canal habituel, même s'ils n'ont rien à dire. Ils sont toute la journée sur leur canal habituel, ils restent dessus au point d'avoir complètement oublié que le 19 existe. Ouais, ouais, mais c'est ça, hein, moi, c'est pareil, j'avais bon. Sur 25 ans, j'ai fait quelques boîtes, chaque boîte avait son canal, et puis voilà, et après, bon, quand on était tout seul, ben moi c'est mon habitude, après je remonte sur le 19, et puis voilà, quoi. Et bien voilà, exactement, voilà, et c'est vrai que le matin, tu as des gravières qui sont sur le 15, j'en ai entendu le 7, le 10 aussi. Ouais, ouais, il y a beaucoup de monde, la benne, parce que je fais la benne aussi, voilà, je suis un plateau, mais bon, sinon nous aussi c'est pareil, on est sur le 2, bon, le 2, le 10, le 6, ouais, ouais, ben voilà quoi. Et ben toi, si toi tu remontes sur le 19, les autres non. ils restent sur leur canal habituel. Voilà, moi si je remonte sur le 19, j'ai remonté un coup de gueule comme tout à l'heure. Ouais, ben ça m'a bien fait rigoler justement, quoi. Ça met un petit peu d'ambiance. Ouais, c'est sûr, les gars. Après tout, la CB, il y a un micro. Le micro, c'est fait pour s'exprimer dedans. Alors profitons-en. Ouais, ouais, c'est
c'est sûr. Bon, après, t'as des bleds bon, qui font le con. Tu vois, Toulouse, là, c'est infernal, soi-disant. T'as les mecs qui foutent la merde, tu vois, Charente, c'est pareil. Voilà, ça fait autrefois, maintenant, même si au moins je suis pas monté là-bas. Ouais, Charente, je connais pas trop. Ah oui, ici, secteur Angoulême, ouais, effectivement, il y a du monde. Je faisais un peu la route quand même, c'était le vrai bordel. À Paris, c'est même pas la peine, hein. Il faut changer le cadavre, il faut tout changer parce que là c'est le vrai bordel. Ah oui, d'accord. Ouais, Marc, c'est vrai qu'il y a du peuple là-haut. Ouais, mais bon, il faut chier le monde quoi. Tu vas dans le renseignement, les mecs ils te plantent ou alors ils te foutent la merde quoi, c'est pas bien quoi. Ouais, bon, c'est vrai que. Ouais. Mais bon, d'un autre côté, il y en a qui disent que le GPS remplace largement. C'est pas toujours vrai. Parce que bien souvent, le GPS, il te fait faire des conneries quand même. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Moi, j'ai décollé. Bon, moi, j'ai décollé, mais j'ai pas le GPS. Je fais la carte. Moi, mais bon, je me fais chier aussi. Mais bon, tu vois les collègues qui ont les GPS, mais GPS voiture, hein, ils se font avoir hein, des fois. Alors, c'est pas beau, quoi. Bah, bien sûr. Et je vois là dernièrement sur un week-end, je suis descendu à Nougaro. Voilà. Alors le GPS, au lieu de m'envoyer la bonne direction, il m'envoyait à l'opposé. Et bon, au début on suivait et tout, on s'est dit bon on connaît pas la route, donc on commence à suivre et tout. Il nous envoyait sur la Dordogne au lieu de nous envoyer plein sud. Si attends, il y a un problème. Ah ouais, là c'est pas bon du tout, c'est sûr. Ouais, c'est à l'opposé, c'est pas bon. Eh oui, alors il voulait nous faire une boucle. Et donc il nous faisait aller en direction de la Dordogne pour nous faire une boucle avant de redescendre vers le sud. Ah ouais, n'importe quoi, ouais, c'est sûr, ouais. Ouais, oui. Bon, là on a réussi à avancer un bout, là quand même. Bah, moi je suis en train, je bouge pas. Ouais, ouais, non, mais là on a fait une petite longueur, là, et puis on a à nouveau arrêté, là. Qu'est-ce qui t'arrive, la station? Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Merde. Ouais, aussi. On est bien obligé de faire avec. Ah, mais c'est toi qui viens de passer là à côté de moi là avec la Santiago 1200 d'accrocher au rétro. Hein. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout collègue, pas du tout. Ah je croyais, voilà, ouais, parce que là j'ai un mille pattes portugais là qui vient de passer là à ma droite. Non, non, pas du tout collègue. Je connais pas du tout là. Eh ben, normal, tu vois pas tout le merdier qu'il y a avec tous les camions qui passent ici, ils auraient trouvé une alternative. Non, non, ils se cachent vers les arbres là, avec leur pistolet là, pour voir la vitesse, tout le bordel. C'est ce qu'ils veulent, merde. Puis c'est bon. Allez hop, 135 euros. Ah, oh, attends, tu roules à 85. 185 euros. Ouais, c'est vrai. Quoi dire de plus là-dessus? Pas grand-chose. Excusez-moi, je suis revenu. Tu peux dire à Juppé que c'est un gros con de ma part. Hein. Ouais, je disais donc tout à l'heure, là, j'ai passé la sortie 7. Ouais, ouais, mais c'est toujours à la 8. Ah, tu t'es un peu rapproché. Hein. Ouais, j'ai la voie de droite là qui a pris de l'avance là, d'un coup. Hein.
tu as bien raison, tu vois, dès que tu les passes un peu, fais nous en camion, ils t'allument comme les sauvages, fait voilà, quoi, c'est l'infernal là-bas. Ouais, ouais, non, mais je fais gaffe moi aussi. Hein. Oui, oui, parce qu'en voiture aussi, il faut faire gaffe, il y a une voiture banalisée qui se prête mal sur la rocade, il faut faire gaffe. Ben oui, voilà, oui. J'étais à 84, 135 €. Aïe. Et les buissons, avec leur pistolet, 135 €. Ah oui, quand même. Oui, affirmatif, j'ai la monde là, et elle était ici avec moi, parce que je suis matriculé en Espagne, et tu sais, pour payer sur le champ, tu vois. Quand je suis à la frontière, en Oleil, mais le camion, il est matriculé en Espagne, là, en Espagne. Quand il est 135 €, 84, putain. Il faudrait mieux voir les structures de la route, hein. Ouais, et puis te fais pas baiser aussi, là, quand c'est intérieur doublé, ça coûte cher, et j'ai une collègue qui s'est fait avoir, et en plus, je suis sûr, elle le respecte, mais ils ont eu quand même les flics, mais, parce que c'était avec les... je suis sûr qu'elle n'a pas doublé, puis elle était dans ce temps-ci, elle a pris que 22 € parce qu'elle a payé de suite, et sinon, c'est 135 € et 3 points moins, ça va. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, c'est les enfurés, et bon, je suis sûr qu'elle respecte tout, quand c'est 50, c'est 50, quand c'est 80, c'est 80, c'est un double, elle ne double pas, mais là, elle était pensée ailleurs, elle a pensé à autre chose. Les filles qui ont serré avaient deux ou trois Espagnols, bon, les Espagnols, ben, ils roulent comme ça, hein, c'est comme ça, hein. Et bien, bon, le flic qui était gentil, elle dit, bon, ben, quand vous ne contestez pas, vous ne mettez que 22 € si vous payez de suite. Bon, elle a payé, puis voilà, elle est repartie, quoi. Ouais, ok. Oh, j'ai eu de la chance, moi, une fois, comme ça, un matin, en débouchant, là, en haut du pont d'Aquitaine. Heureusement que j'étais sur la voie la plus à droite et le radar m'a pas bien pris, quoi. Ouais, ça aussi, oui. Ouais, bon, c'est pas Je viens de voir le panneau lumineux là, respecter la limitation de vitesse, 90 km/h, ça, hey, moi je veux bien, mais il faudrait déjà que je puisse les atteindre des 90, hachi. C'est ça, et je voudrais bien choper le numéro de celui qui marque ces conneries là, alors je dis que je vais insulterai mes grands raisons. Ah si, histoire de te dire un petit peu là où je suis par rapport à toi, quoi. Ah ouais, ouais. Collègue, là, mes pattes, là. Moi, je suis matriculé en Espagne, hein. Je suis en Bahie et je suis matriculé à Irún, là, San Sebastián. Non, on se calme, hein, on intérêt à se calmer parce que maintenant, ils ont pas encaissé les flashs, là. Ils arrivent maintenant en Espagne, au Portugal, ils ont fait un accord. Alors, maintenant, on intérêt à se calmer, hein. Immatriculé en Espagne, au Portugal. Tu te fais flasher, tu paies l'amende. L'amende, elle va direct en Espagne ou au Portugal, hein. C'est plus comment voir, hein. Ouais, 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 mais tu vas voir. Hein. Tu vas être derrière moi, je pense. Hein. T'as une voiture de flic, je crois que c'est le Peugeot, banalisé complet. Mais il a serré un petit gars qui doit être au téléphone, je pense. Voilà, quoi. Et sur la bande d'arrière, et voilà, ils ont le serré, quoi. Et pourquoi en Espagne et Portugal il n'y avait pas de radar jusqu'à maintenant? Les amendes que tu avais en France, tu vois, tu te faisais flasher en France et matriculer en Espagne ou Portugal, hop, tu roulais encore plus vite, il n'y a pas de problème. Maintenant, non. À partir de février, là, tous les amendes ils arrivent soit en Espagne, soit au Portugal, ils arrivent les amendes. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris, quoi. C'est l'Europe. L'égalité. Ouais, maintenant, à la boîte, le patron, il a un sacré paquet là-bas, hein, pour les chauffeurs. Hein. Il a un sacré paquet, un autre jeu, David, tu sais. Il y en a beaucoup, ils vont pas recevoir la paix, ils vont pas avoir de paix à la fin du mois. Hein. Ah, il y a des chances, oui. Tu sais, moi aussi, je suis allé un peu à l'Espagne et au Portugal. Bon, là-bas, je ne faisais pas le choix, parce
parce que le gantier, ben, il ne fait pas de corps, parce qu'il t'allume, mais il faut que tu payes le suite. Et c'est vrai que les flics, là-dessus, il faut payer le suite, sinon c'est pas beau. Ouais, d'accord. Tu prends les cartes vides, tu ne peux pas sortir. Si tu t'en vas, alors là, il te bloque à la frontière, c'est pas la peine. Ouais, ok, mais je savais pas, c'est bon, c'est bon. Je parle de camion, mais j'ai des collègues aussi, pareil, des Portugais qui sont en France et puis qui rentraient chez eux. Mais pareil, ils me disaient, ils font gaffe en voiture, surtout les Français. Et alors, et après, il y a les cartes bleues, ils te mettent dans la direct pour retirer les frites. Putain, ce monde qu'il y a aussi de l'autre côté. Ah ben je suis bien content, il n'y a pas que nous qui sommes baisés quoi. Dans l'autre sens aussi, là c'est bien bouclé, c'est bien bloqué. Hein. Ah oui, ben c'est, là je suis à la hauteur de la sortie 4 là maintenant. Là. J'attaque le lac. Voilà, et puis là tout le monde est à l'arrêt là de l'autre côté. Quoi. Ah ben je vais y arriver à la sortie 4, là, c'est là où je le sens. Ah, ben oh, tu vas bientôt y arriver, voilà, je suis en train de passer au-dessus de la flotte. Voilà, j'arrive aux stations SO. Ah, c'est bon, ça roule alors. Oui, ben là, ça y est, ça se débloque, là. Ça va bientôt se rebloquer, là, arriver en bas du pont d'Aquitaine. Ouais. Ah, le signal commence à baisser un peu. Ah ben ouais, parce que je suis encore à la sortie, là où tu étais tout à l'heure, là. Je suis pas encore à la sortie, j'ai la sortie, je sais plus combien. Ouais, ok, ouais. Ouais, alors avant de. Parce que là, je vois que j'ai l'aiguille qui navigue, là, qui commence à baisser pas mal. Avant de te perdre, je vais t'envoyer les bonnes 73-51, ainsi qu'au centre routier, aux autres 1000 pattes, là, qui est à sur le 19, de la part de Dandy 33. Voilà, j'ai bientôt le pont d'Aquitaine en ligne de mire. Et bonne route à vous tous. Eh bien, bon chiffre, bonne rentrée chez toi, et bonne soirée. Merci de la station. Les 73 aussi à station, moi je suis pas encore rentré, vu comment c'est parti, c'est pas gagné. Ouais, je m'en vais jusqu'à Saint-Émilion, question à la bataille, dans ces coins-là par là-bas. Allez, bonne route à tous. Défie-toi à la sortie aussi, puis que tu vas prendre, là, pour aller sur Libourg, mais ça bouchonne aussi. Ouais, sortie 26, il y a des travaux aussi, ils sont en train de refaire la voie rapide, entre la sortie 3 et la sortie 9. Ouais, et puis en plus au niveau de la route, ça se complique encore un peu plus. Oh oui, bah toi, pour moi, là, il va être temps de lâcher le micro, de faire un petit peu plus attention aux autres. Allez, bonne route à tous. Et bonne rentrée au Jacques Maracan. Ciao, ciao. Merci, ciao.